je ne le kiffe pas. Donc voilà, on va devoir y aller malheureusement. J'aurais préféré jamais que ça se passe. Aller rejoindre ce fameux Lucas. Mais il va falloir qu'on y aille et qu'on se chie dessus. Elle fait vieille un saut. Mais non, elle est pas belle. T'es belle un saut. C'est nul, ma fille. Fais gaffe, on t'a trouvé belle un saut. Ça va être pécho de tous les côtés là. Tout, 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 ça y est, ambiance boîte de nuit. Regardez, il y a même des paillettes par terre. J'aime pas, j'ai peur déjà. Let's. Oh, j'aime bien la musique. Ça, c'est les gens qui sont foncedés qui mettent ça. Il est foncedé, Lucas. Allez, un film. Foutu appareil. Il est fou. 23 ans. C'est pas vieux 23 ans, non. 23 ans, encore la vie devant soi. Moi j'aimerais bien. Alors Ethan, et vous aimeriez bien remonter le temps? Tu peux te mettre à quatre pattes et fouiller cette vieille barque pourrie autant que tu veux à la recherche des ingrédients, mais tu trouveras que dalle. Ethan, tu veux fabriquer ce sérone? Oh oui. Il va falloir passer par moi. T'entends? Regarde, il est full drogue là. On dirait moi après avoir pris de l'ecstasy. Je l'aime pas ce type. Il est pas, je suis pas fan de lui. Je dis moi si là c'est vieux. Je te dis à Tekategan. Man. Très stressant. Ah oui, ça je sais, faut tirer dessus. Voilà. Et il y a les mêmes sur les... Oh putain. Il y a même dans les caisses, ça je sais, ça aussi. Je peux passer en dessous en plus, non? Si, je peux passer en dessous. Bon bah j'aurais tenté. J'aurais tenté, on peut passer en dessous, mais je pense à une certaine hauteur. Là, j'ai la tête qui dépassait. Ah putain, ce mec c'est mon idole. Ah, je vais faire des cauchemars avec des... Avec tes jeux là, là. Je suis traumatisée. Mais est-ce que vous avez des jeux d'horreur qui vous ont traumatisé, vous? Moi, j'en ai deux qui m'ont... bah, rien ne les connaît. Hein. Deux qui m'ont excessivement bien traumatisé. Slender et SCP. Slender, je peux plus saquer d'être dans une forêt solo maintenant.
Je n'y arrive plus en fait. Sinon, je me sens pas bien. Donc voilà. Il y a aussi. Il y a pas un truc là, non? J'ai pas raté des mines? Ah si, là-dedans. Mais si, je les ai pris. Je les ai pris. Et donc maintenant, je peux pas rester dans une forêt tout seul. Et quand je suis dans un endroit assez. Un peu comme dans les CP, dans des sortes d'escaliers vraiment très très longs, et bah je peux pas non plus quoi. Comme quoi. C'est des jeux que j'ai. Oh putain, je l'ai vu qu'après celui-là. Mort, non. Il arrache ses ongles, il est fou ce gars. Une caisse comme ça. Tu vois? Je crois que je vais devoir corser le jeu. Connard. Oh, je suis pas bien niveau balle là. Puis j'ai pas du tout ce qu'il faut pour en faire, je crois. J'ai de la poule à un canon. Il me faut quoi? Il faut des fluides chimiques. Ouais, j'ai pas de fluides chimiques. J'ai pas de fluides chimiques fort. J'ai des flux chimiques forts là-dedans. Où j'ai déjà tout utilisé partout dans d'huile. Oh putain, fais chier. Oh, c'est la pièce de l'autre fois. Je sais. Saloperie de mot de passe, hein. Et si t'essayais 08 à 4? Non, 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 non. 06 2 1. Non, 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 non. C'est 05 1 4. Bah vas-y. Tente ta chance, on sait jamais. Ah oui, quand même. J'ai fait un code au hasard. Salut, t'es belle. Je suis charmante. Je suis traumatisée. Hein. Mais là, vieux, viens, un retour sur SCP. J'ai déjà fait, monsieur. Un retour sur SCP. J'ai pas très apprécié, pas trop apprécié. Nice le fluide. Nice, 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 nice. On va falloir qu'on prenne de la poudre à canon tout à l'heure. Cartouche de fusil. Oh, je l'ai vu, mais au dernier moment, quoi. J'ai vu d'animaux le machin. Oh, mais attends!
Putain, ça fout un peu la gueule du monde, là. J'étais à 10 mètres de lui. Putain. Bon, on recommence. À ce moment le plus énervant, là. Ça y est, je suis dans le moment le plus énervant. Bah tiens, on va pouvoir prendre un peu de poudre à canon. On va en prendre un, allez, deux. Alors celui-là il est bon. Là ici il y a un fil. Oh putain. Ça suit un peu de ma gueule là. Est-ce que ça passe? Mais non! Non! Oh putain. C'est tout un truc, quoi. Fait chier, hein. Ouais, j'en étais sûr. Putain. C'est quoi, utiliser toutes ces munitions? T'es une victime là, mais là. Ouais, je suis une grosse victime là. Ouais, bah, putain, chier. Je vous défonce ce te pont. TF1 qui a besoin de batteur. Ah ouais? Ah bah ouais. Ils mettent pas les films dans le bon ordre. Sérieux? Ils nous passent Fast and Furious 5 là. Et ensuite ils nous mettent le 4. Ils sont cons? Bah ouais, un peu. Mais de toute façon, je sais pourquoi est-ce qu'ils ont mis les 5. C'est parce que dans. Comment dire? Fast and Furious 8. Il y a beaucoup de références au 5, on peut même dire que un moment de sauvegarde. On peut même dire que 3 quarts d'histoire c'est une grosse référence au 5. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu vois des acteurs qui reviennent du 5, des événements qui sont passés dans le 5 interviennent dans le 8, quand il revient le méchant. Tu sais, je regarde pas Fast and Furious. Je sais. Pourquoi t'es en transpiration comme ça là? Transpiration? Oui, t'as ton cou, il est trempé. Ah non, ça c'est. On dirait un iguane trempé. C'est du. Comment ça s'appelle? Chocolat? Mais non! D'ailleurs, ah, le chocolat. C'est le truc pour le show, là. Du moins. Quand t'as mal à la gorge et tout. Que ah, du Vix. Voilà, du Vix. Ça se met pas là, ça se met au bronche en fait. Ouais, tu. Moi, je choisis où je le. Le pauvre petit chou, il est malade! Je veux rester sous la fenêtre ouverte toute la journée avec le courant d'air, forcément. Ce soir, j'avais un peu. Ah, c'est de ta faute, ça, hein. Ouais, mais le problème, c'est que si je l'ouvre pas, il fait trop chaud. C'est pas ma faute, à moi. Je l'ai vu lui là. De toute façon, tu vas faire un combat contre papa, tu vas en chier les bulles. Papa? Ouais. Papa? Bah ouais. Hein? Bah c'est là logiquement. Jacques Becker, mais il est déjà mort depuis 10 millions d'années là. Hein. Non, le mec, tu le tues 3 fois au cours du jeu. Enfin, oui, mais tu lui tronçonnes la tête. Il est mort là. Et alors? Là, je suis contre Lucas, le fils. Attends, mais tu l'as déjà fait alors?
Oui, je l'ai déjà fait, je suis au quart du jeu. Mais problème, Julien, tu connais pas le jeu, donc tu te tais. Non, tu connais pas le jeu. Julien, Lucas, il pose des bombes, même dans les caisses. Et alors ? Et bah, les bombes, ça te fait péter la gueule. Et alors ? Bah, tu joues me fasses péter la gueule et crever. Bah, juste... ouais, tu meurs pas d'une bombe. Bah, ouais, mais tu utilises des soins, réfléchis. Bah, le soin, tu l'utilises au dernier moment, quand t'es vraiment au bord de la mort. Le soin, et ensuite, je jette par terre. Mais non, je pouvais me jeter là. Une batterie. Pourquoi une batterie ? Ça, j'ai cadavre, je vais faire à manger. Putain, elle va faire à manger, incroyable. C'est quoi les nachos ? Ils vont direct appeler la police. Ouais, grave. Non, t'inquiète. Ah, le frère qui dit la fin. Et mon frère, il est perdu, il est du père. Il connaît rien. Il connaît rien au jeu, il veut faire son... Bah non, bah non, ça marche pas avec moi. Je connais sûrement mieux le jeu que lui. Merde, tu vois. Il aurait été là. Oh, je préfère que tu te fasses péter la gueule que de citer balles. Putain. Ce frère. Un abus, quoi. Un abus de la famille. Des fois, je regrette tout ce que j'ai fait. Oh, la batterie. Ça se met là. Ethan, ta lumière. Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue à Massacre dans la Grange. Pas de combat, messieurs. Il y a des règles. Va te faire foutre! Oh! Oh, mais what? C'est la façon d'affronter les épreuves de la vie qui fait de toi un homme étage! Là, c'est un peu la DBD là, hein. Pas DBD. T'as l'air un peu mal en point, Ethan! À la. Alors, comment on appelle ce jeu déjà? Putain, j'ai oublié le nom. Dead Inlash, il y a eu aussi Dead Island, voilà. Je vais t'en faire un rôti, toi. Oh putain, arrête! Man. Ok. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Ah, mon frère aussi s'appelle Julien, on a les points communs. Youpi ! T'appelles Julien ton frère ? Il est aussi chiant que le mien ou... C'est parce que moi... Un soir, tu t'appelles pas Mélanie par hasard. Non. Non, ça s'appelle pas Mélanie. Mais ça commence par la même lettre. Et ça finit par la même aussi. Il y a beaucoup de lettres de points communs, hein, quand même, hein, c'est où, hein. On commence par la même lettre, on finit par la même lettre. Il y a des lettres dans ton nom que j'ai. Marie, un sceau. Presque. Mafia, on a une amie en commun qui a le même nom. Quand même. Si tu trouves pas, je serais déçu, mafieux, si tu trouves pas. Et d'ailleurs, je pourrais lui dire. La suffliose. Et en fait, ça se passe bien avec Amis, là. Ça fait un moment qu'on
que je n'ai pas joué avec. Ah, j'ai plus de soins également. Bon, on va faire ça. On va faire un peu de tout. J'avais plus de soins, j'avais plus rien là. Ça commence légèrement à être la crise. Tu es le prochain. 14-08. Stairs. Escalier. Ah, oh, c'est bon, je sais où est-ce qu'on est. Ah, je sais pas pourquoi j'essaie de trouver ton prénom. Ok, ça a été un combat très très dur, donc on va regarder un petit peu les munitions. Niveau tepon, je suis pas bien, en tout cas. Peut-être prendre les lance-grenades à la place. Peut-être du couteau. Je pense qu'il ne me sera pas utile. Et prendre les deux cartouches de grenades incendiaires. Et j'ai toujours pas trouvé où est-ce qu'il était le truc de trésor et tout ça là. C'était quoi déjà le code? Je m'en souviens déjà plus. 1408 je crois, non? Je crois que c'était 1408. Putain mon cerveau, mais achète-toi quelque chose de 1408. Putain, vraiment, ça me casse les couilles de pas avoir de mémoire. Toujours obligé là de... voilà. J'ai bien tapé 14-08. Bah, c'est pas ça le code? Non, Mafia a essayé. Il a juste essayé, il n'a pas réussi. 14-08, je suis pas folle, je sais lire. Ah, c'est très frustrant. Mafia a juste essayé, il n'a donc pas réussi. Il y a un bug là, je crois. J'ai oublié un truc sur moi là-haut. Il y a 14-08, hein. Supplément. Here. Pourquoi? Non, j'ai mal compris ta phrase plus haut. Donc il reste Anto et Stylo XD. Hein? J'ai pas de test avec toi, mais là. Non, t'as essayé. Si, arrête de mytho. Il a essayé. C'était un soir de Noël. C'était un soir de Noël, monsieur. Un soir de Noël. J'ai un petit délire de se chercher les noms des gens. Tu es dans la liste. Fais attention, Z-toi. Mais là, connais déjà. Bah, je connais déjà son prénom, un style, moi. Je pourrais le lire, hein. Ah, putain, fallait pas faire F, fallait faire Hunter, putain. Hey, mec, c'est un test de compétences, alors on triche pas. Débarrasse-toi des trucs que tu portes.
Oh putain, faut que je me vide. Connard de Lucas. Oh, je vais me mettre à poil. De toute façon, je suis censé connaître déjà. Passe une bonne journée. Ah, mais le gars qui était brûlé là-haut, c'était le gars qui s'est fait brûler dans la vidéo. Donc je sais, bon, il lui manque son doigt. Bon, la classico de la chasse d'eau. On va le faire. Alors peut-être que j'allume déjà la lumière. Donc c'est-à-dire, elle est là. Voilà. Bien, que dirais-tu de jouer à un petit jeu? Tout ce que tu connais déjà, t'inquiète pas. La bougie et la mettre sur le gâteau. Va chier, du con! Ethan, ton langage! Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part. T'avais peut-être bu du champagne, non? Enfin. Je l'avais dit non, mais bon, ça a rien changé, hein. Quand même, rester potes, on n'est pas. Wow, what a play. Ça commence avec quel stylo? C'est trop facile si je dis la première lettre, j'avoue. Mais là, je te jure, je me rappelle pas. K? Non. T'as peut-être bu du champagne? Non, monsieur, courgette à poil. Un saut, je bois pas de champagne, je préfère Moretto au Pisson. Mais là, fais pas l'erreur du vin. Ah ouais, c'est bon, Moretto. Moretto. Donc là, il y a la loupe. Tain, il en a des piqûres à la main, là. Donc là, juste à faire ça. Hop, lock this. Non, c'est lock this. Utiliser. Hop. Voilà. On rallume la bougie. Donc là, non. Donc faut qu'on regarde c'est quoi déjà le code. Ça se trouve qu'il a changé, j'en ai aucune idée. Alors, bougie, tête enfant. Bougie et cloche enfant. Hop. Bougie. Cloche et enfant. Voilà, donc là on va avoir la poupée qu'on va devoir faire brûler par que l'autre ait son doigt. On va aller s'occuper de la bougie, enfin des ballons aussi. On va lui donner son doigt, l'autre con là. Voilà. Hop. Ah ouais. Vincent. Valentin, Vincent. Vincent. Je sais pas, ma fille. Brr, brr. Aubergine. T'as pas sauvegardé ta partie d'hier? Si, mais c'est. Là, on jouait Ethan. Hier, c'était la cassette. Ah, il est là, le ballon. Donc, on sait qu'il n'y a rien dans le ballon là. Allez, ballon. Donc, là, on sait ce que ça va faire. On reste pas ici, Ethan. Oui, j'ai pas la molette. Même si je sais c'est quoi le code.
Donc là, hop. Vas-y, je regarde même pas, je peux pas la regarder, putain. J'aime pas du tout les clowns. Et bah comme ça, Ethan. Je t'ai juste fait un petit peu scarifier le le bras, hein. Avec un mot écrit loser. Ah putain, il est où le S? Il est là. Voilà. T'as publié ta plume. Le code c'est loser, non? Oui, je m'en souvenais. On pouvait, je pense, ouvrir comme ça ou pas, je sais plus, mais bon. C'était mieux de la rouvrir. Comme dans la cinématique, quoi. Boum! Mais je sais qu'il y a un espace derrière le mur, mais je... voilà. Il ne voulait plus rien faire. Oh non! Il va falloir tout recommencer, fais chier, hein. Oh merde. Oh, fais chier, man. Non, je peux rien faire tant qu'il n'est pas parlé, ce con. Putain! Fais chier! Va chier du con! Ouais, va chier du con, connard! Ton langage! Il y a des enfants dans ce bâtiment. Et quelque part. Enfin, je crois. J'en sais trop rien, en fait. Oh my god! Allez, vas-y, allume-moi ça avant que je m'élève. Coup-ci, on va aller directement là-bas. Taper le code, si voir si on peut. On va prendre ça au cas où. Oui, on peut. Ce sera moins rapide. Ce sera plus rapide, non. Il y a un espace derrière le mur, bah ouais, je sais, merci.
Oui, bah oui, je sais qu'il y a un espace derrière le mur. Oh, qu'il y a un espace derrière le mur. Ton langage, monsieur Anto. Oh, si l'eau se fait recte. On va voir qui sera recte si je le banne. Désolé. Ah, elle part. Bon, j'arrive qu'à jouer après. Ok, à toutes. Ah, le désolé. Il marche tout le temps, ce petit désolé. Ok, c'est ça qu'il fallait faire. Mais ça me semblait qu'il y avait un truc à ne pas faire. On t'explose quand ? Es-tu? Où êtes-vous? On est au bout de la jetée, à l'extérieur de cette pièce. Fais vite. Bon alors, Ethan. Qu'est-ce que tu veux? Ta mort? Le moment est pas encore venu. Pas encore. Quelle chance! Écoute, à moins que t'aies d'autres surprises dans ta manche, je te conseille. Ce serait te raconter la fin, Ethan. Et je déteste les spoilers. Moi aussi. Connard. Connard. Tête de série D. Enfin. Bon, on va s'arrêter là, les amis. On reprendra notre stuff la prochaine fois. Le plan de la zone de test. On va sauvegarder. On va faire une pause.